Nous lançons la plateforme fin mars, la plateforme Collectif. Collectif, c'est une plateforme de streaming solidaire et un éco-marketplace. Notre lancement se fait en deux phases. La première phase, fin mars, la plateforme streaming solidaire en partenariat avec la start-up Ocast permet de soutenir les acteurs culturels, festivals, théâtres, salles de spectacle, musées, salles de cinéma. Les acteurs proposent leur contenu sous forme de films courts et on récupère aussi des contenus plus longs avec l'exploitation cinéma. Les utilisateurs ont accès à la plateforme en payant un abonnement de 2 euros par mois. Nous reversons l'intégralité des bénéfices aux acteurs. Avec la crise sanitaire, toute la culture est fermée depuis plus d'un an. Nous avons décidé d'ouvrir la plateforme aussi à d'autres acteurs, clubs sportifs, influenceurs, fondations, artistes indépendants. L'accès à la plateforme permet pour les acteurs de commencer leur transition numérique et monétiser équitablement leur contenu. Pour la deuxième phase, on lance l'éco-marketplace solidaire avec des milliers de produits bio en ligne, que des articles bons pour notre planète et pour le climat. L'objectif final est de permettre pour des familles, étudiants en précarité, d'avoir accès à un abonnement mensuel raisonnable avec un panier bio, durable et des produits issus de circuits courts. On veut aussi étendre l'abonnement à des services technologiques et aussi culturels comme la mode. Notre objectif est d'avoir plus d'un million d'abonnés sur la plateforme début juin et plusieurs millions à partir du mois de septembre. Collectif, c'est un nouvel Amazon, plus solidaire et collectif.